La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Soyez les bienvenus ce matin, vous qui êtes venus rendre un culte, ou peut-être, disons plus justement, cultiver votre relation à celui qui se manifeste à nous par la faim et par la soif qu'il nous inspire. Par la faim et par la soif qu'il creuse en nous. C'est toujours lui qui nous fait signe et c'est toujours à son appel que nous répondons quand nous franchissons les portes des temples et des églises. Alors soyez donc les bienvenus, tous, toutes, et que Dieu nous inspire. Que Dieu nous inspire, c'est-à-dire qu'il vienne donner du souffle, de l'élan, du mouvement à nos pensées, à nos cœurs, à nos vies, à nos actions. Ce matin, pour notre prière communautaire, pour la liturgie, j'utiliserai un joyau de la littérature spirituelle qui est épuisé depuis très très longtemps, mais qui a été réimprimé il y a 10 jours par les bons soins des éditions Labor et Fides. C'est ni plus ni moins le livre de prière de la communauté des veilleurs. Alors la communauté des veilleurs, c'est une très très vieille institution qui a été fondée par Wilfred Monod au tournant du XXe siècle. Wilfred Monod était pasteur à l'oratoire du Louvre. Il était extrêmement engagé dans un christianisme évangélique, libéral et social. Et figurez-vous que c'est son fils, Théodore Monod. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Wilfred, mais vous ne pouvez pas ne pas connaître Théodore,
puisque Théodore Monod devint très célèbre à la fin de sa vie, on le voyait à apostrophe chez Bernard Pivot, il avait arpenté les déserts toute sa vie, et puis évidemment on s'est intéressé à lui à la toute fin, notamment dans la réimpression de son livre Méharé, et c'est devenu un des grands sages de notre temps. Alors il est mort aujourd'hui, mais en 1925, c'est lui qui avait composé ce livre de prières. Alors toutes les prières que je vais lire sont utilisées de ce recueil qui date de 1925, soit quasiment un siècle en arrière. Mais vous verrez à quel point il reste pertinent et actuel. Nous prions. Ô Dieu, tu as, lorsque les temps furent accomplis, fondé ton Église dans le monde pour être à tous les peuples une patrie spirituelle et pour les conduire à une vraie connaissance de soi. Tu veux que ton Église soit un temple vivant, une sainte fraternité par laquelle chacune et chacun peut s'approcher de toi sans intermédiaire pour implorer ton aide et ton pardon. Alors brise ici et en tout lieu chaque tentative de domination spirituelle et de contrainte extérieure sur les âmes des hommes. Donne à tous, et en particulier à ceux qui prêchent, qui guident et qui enseignent, l'humilité du cœur et la volonté de servir dans l'esprit du Christ. Hâte ainsi, ô Dieu, l'établissement d'une Église sainte, unie, qui, répandue sur la terre entière, instrument de réconciliation et de concorde, puisse rassembler un jour tous les peuples, toutes les âmes, dans l'adoration de ta souveraineté. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Viens donc au peuple des fidèles », c'est le cantique numéro 20, c'est un psaume, et nous en chantons les strophes 1, 2 et 5. Strophe 1, 2 et 5 du cantique numéro 20.
Ô Dieu, il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous ne pouvons pas comprendre, mais il y en a quelques-unes que nous pouvons concevoir, et nous te rendons grâce pour celles-ci. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous devons si souvent, comme des brebis sans intelligence, nous écarter des sentiers de la paix. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi notre nature incline toujours à la folie et pourquoi nous tendons continuellement vers le mal. Mais nous sommes reconnaissants, au moins, de ce que nous savons quand nos pas ont manqué la piste. Nous ne confondons jamais la nuit solitaire sur la montagne ou le vagabondage dans le désert avec la sécurité et l'abondance du bercail. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi l'expérience d'autrui ne nous instruit jamais, lorsqu'elle témoigne avec évidence que le chemin des coupables est douloureux, que le fruit dérobé s'écrase en cendres sur nos lèvres et que nous moissonnons exactement comme nous avons semé. Mais au moins, sommes-nous reconnaissants de ce que jamais le péché ne nous satisfait, de ce que le fruit défendu n'apaise jamais la soif ni ne calme la faim, mais il agace au contraire nos dents, de ce que nul pain de vie ne peut être pétri de l'ivraie sauvage que nous avons semé. Nous sommes reconnaissants de ce que tout le clinquant et le brillant du monde ne peut finalement nous tromper. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il nous faut essayer tous les médecins avant d'avoir recours à celui-là seul qui peut nous guérir. Nous sommes si lamentablement trompés par n'importe quelle imposture. Devant quelle porte n'avons-nous pas attendu ? Mais nous sommes reconnaissants, car nous ne pensons jamais avoir trouvé le repos du cœur quand nous ne l'avons pas obtenu. Nous n'imaginons pas aller mieux quand le mal ravage encore notre charpente. Nous sommes heureux de ne pas pouvoir trouver le repos avant de venir, enfin, au grand médecin. Ce que nous ne pouvons comprendre, c'est pourquoi il nous recevrait, nous ferait entrer et se consacrerait à notre guérison. Mais nous ne cherchons plus à comprendre. Nous faisons confiance au merveilleux amour et tout notre espoir est en ta miséricorde. Amen. Et voici la prière qui dit le salut et la grâce toujours plus grande. Grâce te soit rendue, Dieu merveilleux, parce que notre salut ne repose ni sur nos faibles œuvres, ni sur notre propre choix, mais sur notre élection en Jésus-Christ, fixée de tout temps et pour l'éternité.
Donne à notre cœur la certitude bénie de ton éternelle décision. Et lorsqu'il se trouble, lorsqu'il est déchiré, lorsqu'il doute, montre-nous par ta parole et ton esprit que tu es plus grand que notre cœur. Amen. Et nous chantons les paroles de grâce au cantique 221, les strophes 1, 2 et 3. Seigneur Dieu, répands sur terre ton eau pure en frais ruisseaux. Chant 221, les trois strophes. Et avant d'écouter les lectures proposées à la méditation de ce jour, qui nous seront lues par Liliane Schneider, je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta sainte parole qui, d'âge en âge, depuis les temps des prophètes et de ton évangile, nous a été transmise et conservée. Nous t'en prions, rends vivant par nous, par ton Saint-Esprit, le message de ta révélation, et fais-nous pénétrer toujours plus profondément son sens caché. Fais-nous accueillir son message d'un cœur toujours plus ouvert, et fais-nous trouver une joie toujours accrue en ses consolations. Amen. Nous lisons dans la marche au désert. L'Exode, au chapitre 16, les versets 1 à 5. Ils partirent d'Élim,
Et toute la communauté des Israélites arriva au désert de Sin, situé entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte. Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent : Que ne sommes-nous morts de la main de Dieu au pays d'Égypte ? Quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangions du pain à satiété, à coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Dieu dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. » Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Et le sixième jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, il y en aura le double de ce qu'ils recueillent chaque jour. Et maintenant, du psaume 145, la louange de David, quelques versets. Dieu est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Dieu retient tous ceux qui tombent, redresse tous ceux qui sont courbés. Tous ont les yeux sur toi. Ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main et rassasies tout vivant à plaisir. Et nous reprenons avec Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs,
était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus leur dit, « Faites s'étendre ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent donc et remplirent 12 couffins avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'ils venaient de faire, les gens disaient, c'est vraiment lui, le prophète, qui doit venir dans le monde. Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne, tout seul. C'est Jean Calvin qui parlait des deux tables, la table de la parole et la table de la scène, et que la parole de Dieu nous nourrit comme du pain. Donc je vous invite à chanter du cantique 224, « Ô Jésus-Christ, tu nous appelles à ce repas offert à tous », la strophe 1. Voilà, comme vous l'avez entendu, nous voici ce dimanche encore de nouveau invités dans l'univers de l'un des récits de l'Évangile les plus régulièrement proposés à notre méditation. Avec Valérie, nous faisions le compte qu'au moins 3 fois jusqu'à aujourd'hui, entre le mois de février et le mois de mars, pardon, et aujourd'hui, nous vous avez eu l'occasion d'entendre résonner ce récit sous les voûtes de la cathédrale et être commenté une fois par frère Alexis et puis par Olivier Facio aussi. Donc c'est dire à quel point ce récit est important, fondateur pour chacun d'entre nous. On le trouve pas moins de 6 fois dans les évangiles. Il y a 4 évangiles, 6 récits de la multiplication des pains. Ça veut dire que dans 2 évangiles sur 4, il est raconté 2 fois, pas simplement 1 fois.
Et puis aussi, on retrouve au moment de la résurrection ce Jésus qui partage le pain, encore une fois, et les poissons avec ses disciples sur les rivages d'un lac. Je crois que, en premier lieu, si nous sommes si régulièrement invités à revisiter ce récit, c'est qu'il parle de ce Dieu qui ne se soucie pas simplement de nos âmes, de notre intelligence, de nos raisonnements, mais aussi de nos corps, et qui vient pour nourrir notre faim, étancher notre soif, et qui vagabonde de ville en village, de montagne en vallée, de maison en maison et de table en table, empruntant absolument tous les chemins que nous avons l'habitude de fréquenter pour nous rejoindre là où nous sommes, pour être avec nous, pour que, si vous voulez, le ciel rejoigne la terre par tous les chemins possibles et imaginables. L'une de mes petites nièces, alors que nous circulions en Haute-Savoie sur des départementales très peu fréquentées, me demandait pourquoi il y a justement sur toutes ces petites routes de campagne tant de croix placées à des intersections, à des carrefours, à des bifurcations. Et elle a ajouté, est-ce qu'on met une croix de Jésus, pour dire qu'il y a un croisement? Et j'ai trouvé la leçon de théologie excellente, délivrée par cette petite fille de 7 ans. On met en effet une croix au croisement, pour signaler qu'il y a bien un croisement, une rencontre, un point d'intersection entre deux horizons, l'horizontal et le vertical. Le vertical croise l'horizon, le ciel arrive à la croisée des chemins du monde. Et nous, arrivés à ce croisement, on peut choisir de bifurquer, de changer de route, parfois même de changer de vie, de s'aventurer sur un chemin inconnu, vers le mystère. Alors ce matin, quittons ensemble les chemins trop fréquentés et partons, oui, partons sur les talons du divin vagabond, à travers les collines et les vallées qu'il traverse, les champs par lesquels il coupe. Bifurquons et prenons le chemin des écoliers, à la suite de Jésus qui ne tient pas en place et qui passe aujourd'hui, à en croire l'évangéliste, de l'autre côté de la mer de Galilée. Tiens, de l'autre côté de la mer de Galilée. Mais il n'y a pas de mer en Galilée. La mer, il n'y en a qu'une dans le pays de Jésus. C'est la Méditerranée qui baigne aujourd'hui encore les rivages de Tyr et de Sidon, de Jopé et de Jaffa. La Galilée, elle, est à l'intérieur des terres. Aucune mer à l'horizon. C'est au contraire une contrée de montagnes et de vallées, de lacs, il y a bien le lac de Tibériade, et de rivières, puisque le Jourdain y prend sa source. Alors pourquoi Jean l'Évangéliste, qui connaît la géographie de son pays encore mieux que nous, nous raconte des histoires en venant trafiquer la géographie? C'est un premier signe, une première trouvaille, une première pierre sur notre chemin. Quand on lit les évangiles, il ne faut pas être seulement attentif à l'histoire, il faut être aussi attentif à la géographie. D'abord parce qu'il n'y a pas d'histoire sans géographie, et ensuite parce que dans l'évangile, surtout celui de Jean, la géographie, c'est toute une histoire, comme on le verra tout à l'heure. Mais pour l'instant, poursuivons notre chemin. On passe donc de l'autre côté de la mer, et là, Jésus gravit la montagne. Pas une montagne, mais la montagne, comme s'il n'y avait qu'une montagne en Galilée. Il gravit cette montagne, suivi par une foule immense, parce que, je cite, « la foule avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades ». En grec, les malades, c'est les asthénès, les asthéniques, les exténués, les à bout de force, à bout de tout.
Et Jésus a donc une foule immense à ses trousses. Derrière lui, un peuple entier se presse parce que ce peuple a trouvé en lui un libérateur, quelqu'un qui a su rendre aux captifs la liberté. Et voici enfin que nous apprenons que la Pâque, la fête des Juifs, comme il y a la montagne, il y a la fête des Juifs, la Pâque approchait. Voici donc un peuple, une mer, la mer, une montagne, la montagne, une fête, la Pâque, et puis fuse la question que personne n'attendait, la question du pain. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? La mer que l'on traverse, la montagne sur laquelle on enseigne, le peuple qui suit, la Pâque, le pain. Il ne manque plus que Moïse pour rejouer la sortie d'Égypte, en passant à travers la mer, en passant par la montagne, en passant par le souci du pain, simplement en suivant Jésus qui passe comme ça de l'autre côté de la mer de Galilée, comme s'il avait au fond fendu les flots en deux, tout un peuple à sa suite. Il ne manque que Moïse, disais-je, mais Moïse est pourtant bien là, lui aussi. On y fait une allusion juste avant le chapitre 6, à la toute fin du chapitre 5, où Jésus, présent à Jérusalem à l'occasion d'une fête, crée un beau tapage en guérissant un paralysé sur une seule parole. « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Une parole qui marche. Une parole qui marche dans tous les sens du terme, puisqu'elle fait marcher le paralysé. Mais comme c'est le jour du sabbat, les pharisiens accourent, parce que ça ne marche pas comme ça. Vous le savez, il est interdit de porter un grabat le jour du sabbat. Qui l'a dit? On ne sait pas. Alors on dit, c'est Moïse. C'est Moïse qui l'a dit. Et c'est ainsi qu'apparaît Moïse en plein cœur de l'évangile de Jean, et Jésus dit à ces pharisiens qui accourent mais qui ne marchent pas, ces pharisiens qui ne supportent pas que quelqu'un porte un grabat le jour du sabbat, Jésus leur dit, si vous aviez confiance en Moïse, si vous croyez en Moïse, vous auriez aussi confiance en moi, vous croiriez aussi en moi, parce que c'est de moi que Moïse parle. Ce qui veut dire que pour Jésus, dans la parole de Moïse, le Christ est déjà présent. Dans la parole qui soulève tout un peuple, le Christ est déjà présent. Dans la parole qui met en marche, dans la parole qui fait passer de l'esclavage à la liberté, est déjà présent celui qui passe et qui fait passer de la mort à la vie. Et donc, dans ce récit de la multiplication des pains, c'est exactement la raison pour laquelle il est tant répété dans les évangiles. Il s'agit ni plus ni moins qu'un nouvel exode. Il y a tout qui est réuni pour revivre, pour retrouver aussi l'élan qui anima, qui réveilla, qui releva jadis le peuple de Dieu et qui le sortit de l'esclavage. C'est exactement la même épopée libératrice à quelques différences près. La mer n'est pas la mer des roseaux que Moïse fendit en deux, c'est le lac de Tibériade, paisible et civilisé, que Jésus a probablement traversé en barque avec des disciples qui comptent parmi eux un certain nombre de marins-pêcheurs aguerris et parfaitement capables de mener un navire. La montagne, ce n'est pas l'austère Sinaï avec ses roches et cet univers minéral qui le caractérise depuis toujours. C'est une colline de Galilée. Il y a même de l'herbe pour s'asseoir dessus. Et le pain, ce n'est pas la manne. Il ne tombe pas du ciel à heure fixe comme dans le désert. Le pain est là.
Le pain est là, déjà porté par un petit enfant au milieu de cette foule, comme Dieu est là, avec son peuple, au milieu de son peuple, dans le visage de ce jeune homme qui, comme son père, se soucie du pain de ses amis. Dieu n'est pas le grand absent de ce récit, il est le très mystérieusement présent dans les traits de ce jeune homme qui s'interroge « Où achèterons-nous du pain pour nourrir une telle foule ?» Et cette question, il la pose non pas à Dieu, mais à ses disciples, signe par excellence que désormais tout se joue ici-bas. Tout se donne ici et maintenant, dans cette main qui se tend vers le panier de l'enfant, dans ce Dieu qui rend attentif à l'existant, et dans ses disciples, hommes, puis hommes et femmes, qu'il appellera à organiser, allez, osons le terme, à gérer le partage et la distribution des ressources qui sont là. Et la foule suit Jésus parce que ce qu'il accomplit sur les malades, ce sont des signes. Des signes de quoi ? Des signes qu'une puissance de vie, une puissance guérissante, une puissance libératrice agit à travers de lui. Comment ? Et c'est tout l'Évangile, avec pas grand-chose. Avec vraiment pas grand-chose. Juste tirer le peu de santé qu'il y a dans un malade, le peu de mouvement qu'il y a dans un paralysé, le peu de pain qu'il y a dans une foule, pour accomplir le miracle. Jésus ne travaille jamais à partir de rien, il travaille à partir du peu que la plupart du temps nous négligeons ou même que nous ne voyons pas. Et pour que ça marche, il y a deux conditions. La première, c'est que lui ne fasse qu'un avec la volonté libératrice de son Père, et deux, que nous ne fassions qu'un avec sa volonté, qu'on l'écoute, qu'on lui fasse confiance, et c'est tout simplement ainsi qu'un peu de pain finit par nourrir une foule immense et un peu de mouvement envahir des membres paralysés. Mais j'aimerais terminer en revenant à la question qu'il pose en premier lieu. Où achèterons-nous assez de pain pour nourrir cette foule immense ? On dit que pour lui qui peut tout, c'est une question purement rhétorique, qu'il mettrait à l'épreuve ses disciples en la posant. Moi, je n'en crois rien. Je crois que sa question est une vraie question qui témoigne de l'obsession qu'il a animée sa vie entière et qui explique à elle seule ses incessants mouvements. Comment donner du pain à l'affamé ? Comment rendre la santé aux malades ? Comment rendre du souffle aux exténués ? Comment circonscrire ici-bas l'empire de tout ce qui fait souffrir, de tout ce qui amoindrit ? Et il agit avec les moyens du bord. Il rassemble toutes ses forces pour faire tout ce qu'il peut avec le peu qu'il a et avec le peu que nous sommes. Et donc, notre Dieu est aux antipodes du mouvement qui saisit les plus puissants et les plus riches des seigneurs de la terre, celles et ceux qui se prennent un peu pour les rois du monde et qui investissent leurs milliards pour gagner l'espace, sans un regard pour tous les espaces déserts, déshérités, brûlés, qui pourraient bénéficier ici, maintenant, de leur attention et de leurs investissements. Et c'est tout le paradoxe d'un Dieu qui tombe du ciel pour investir sur la terre avec les moyens du bord sans jamais vouloir être roi, opposé à des hommes fascinés par le ciel,
qui investissent leurs milliards pour aller sur Mars, alors que pour eux comme pour nous, comme pour la vie, comme pour la Terre, tout irait tellement mieux, tout serait tellement plus beau, si on vivait chaque jour, tous ensemble, en se posant cette question si prosaïque. Mais bon Dieu, comment faire pour nourrir cette foule immense ? Alors peut-être que nos paralysies deviendraient mouvements, que nos yeux s'ouvriraient et que le ciel s'approcherait encore plus près de la terre. Amen. Cette liturgie que je vais maintenant lire n'est pas celle de Théodore, c'est celle de Wilfred, son père. Quel rêveur, quel réformateur, quel anarchiste a jamais proposé d'inviter le patron et le manœuvre au même repas pour les faire boire à la même coupe ?
Et pourtant la Sainte Seine opère ce miracle. Les boueurs y portent la coupe à ses lèvres et la passent au député qui boit après lui. Dans la simplicité de cet acte sans phrase, il y a quelque chose de surnaturel. L'Évangile y apparaît comme l'énergie égalitaire par excellence. Et cette communion que nous célébrons tous autour de cette table est un bouleversement de l'ordre social, un ferment de réformes sans limite, une image de l'humanité future, le germe de la nouvelle terre où la justice habitera. Et ce pain a une histoire. Pour faire la bouchée de pain, il a fallu presque un an d'efforts et de collaboration obstinée avec la pluie et avec les rayons du soleil, avec tout le travail des hommes, du grainetier à l'agriculteur, du semeur au moissonneur, du transporteur au distributeur, du grossiste au meunier, du meunier au boulanger et du boulanger à cette table. Ce pain est la nourriture la plus noble qui existe, parce que c'est le sacrement de la communion avec la nature généreuse, et c'est le sacrement de la solidarité humaine avec l'humanité au travail. Cette humanité qui a permis que cette nourriture soit sur cette table. Et c'est dans cette solidarité et dans cette communion que Jésus, au cours de son dernier repas, s'est placé. C'est dans les évangiles que nous lisons que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions. Seigneur, je ne désire en ce monde ni les triomphes de la vanité, ni l'éclat du luxe, ni le bruit de l'or. Je te demande simplement de faire de moi, de faire de nous des âmes fidèles en leur dévouement, constantes dans leurs affections, tendres avec celles et ceux que tu nous donnes à aimer. Donne-nous aussi ta charité, une compassion ardente pour les misères des hommes, le don d'adoucir les larmes. Mais donne-nous aussi faim et soif de justice, l'indomptable amour des causes justes et le courage de les défendre envers et contre tous, comme ton Fils Jésus-Christ, avec lequel nous ne voulons cesser d'agir et de prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion à sa vie, donnée
pour chacune et pour chacun d'entre nous. Seigneur, que par ton esprit, nous recevions dans ce pain et dans ce vin ce que les foules qui suivaient Jésus ont toujours reçu de lui, sa grâce, sa miséricorde, sa consolation, sa paix et l'élan pour aimer. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils vivant, de siècle en siècle, pour tous et pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Je parlais au début de la méditation de ces croisements, des bifurcations que nous devions prendre tout au long de la vie. Et je voudrais particulièrement saluer Colette Bucher, qui est conseillère de paroisse, qui vient d'Haïti, et Georges Kurdi, qui est aussi conseiller de paroisse, qui vient de Syrie. Moi, je suis né en Algérie. On se retrouve tous ensemble autour de cette table. Il y a autant d'histoires particulières que de personnes qui vont venir maintenant à cette table où vous êtes tous, où vous avez tous votre place, puisque Christ est venu pour chacune et chacun d'entre vous et d'entre nous. Venez, car tout est prêt. Je vous passerai le pain et puis vous prendrez les verres de jus de raisin ou qui sont en rouge ou de vin blanc qui est en blanc. Je vous demande simplement d'être très attentif à ne pas remettre vos verres une fois utilisés sur le même plateau, mais les conseillers sont là pour le surveiller. Venez, tout est prêt.
Ne crains rien, car il est avec nous, hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole nous éclaire, sa communion nous nourrit, elle fait de nous un peuple en marche, pour que le ciel soit chez lui sur la terre. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble notre dernier chant, c'est le 338, les strophes 1, 2 et 4, pendant la durée de laquelle on recevra votre offrande. Il me reste à remercier Vincent Thévenat, compagnon habituel de liturgie, et puis toutes les personnes qui ont participé à ce culte, depuis les gardiens jusqu'au conseiller de paroisse. Et merci aussi à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence, vous qui faites peuple ce matin à la cathédrale Saint-Pierre. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage, qu'il vous donne sa paix, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.